Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tuto avec la palette Sananas X Sephora, mais cette fois-ci ce sera avec la petite. Je vous le dis, ça va être un truc simple mais qui va quand même donner son effet. Avec le S7B, je viens prendre le fard qui s'appelle Macam. Il est magnifique ce fard, il est vraiment très très beau. Je le mets dans mon creux de paupière et je l'estompe également sur ma paupière mobile, tirant bien vers l'extérieur. Avec le même pinceau, je viens prendre le Truffle Addict que je vais cette fois-ci déposer sur ma paupière mobile. Donc je viens poser toute la couleur sur ma paupière mobile et je viens estomper tout simplement. J'essaye de pas trop étirer pour faire vraiment un effet rond. Oula, 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 oula. C'est poudreux, hein. C'est très très poudreux. N'hésitez pas à intensifier, on veut vraiment que ce soit très très intense. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le S5, je reprends Macam pour vraiment estomper bien bien bien. Je vais prendre le petit pinceau plat de la collection, donc c'est le S16 avec la couleur Truffle Addict. Je vais en faire moitié. Vous faites des petits raccords jusqu'à ce que ça vous plaise. Je peux pas vous dire, il faut le faire une fois, deux fois, trois fois. Ça va dépendre de ce que vous préférez. Moi, je trouve que là, le halo de Macam est parfait, juste autour de mon œil. Je vais prendre le fake, qui est magnifique. Je vais le prendre avec le S19. J'espère qu'il se transfère bien. Et je le mets juste sur ma paupière. Alors il se transfère pas du tout. Il ne se transfère pas du tout. Il est très chuteux. Donc je vais venir le prendre au doigt. Ah là il est. Là il est beau. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Plutôt au centre, mais si vous dépassez, c'est pas très très grave. Il y a énormément de chute, donc si vous pouvez faire votre teint après, c'est mieux. Et du coup, vous reprenez votre pinceau S7B pour faire le tour de cette couleur. Regardez ces chutes. C'est un truc de ouf. N'estompez pas trop, sinon vous allez carrément faire disparaître la couleur et c'est vraiment, vraiment pas ce qu'on cherche. J'enlève les chutes que j'ai sous mes yeux. Je fais l'autre œil, il suffira de mettre le mascara, le rouge à lèvres et on en aura terminé. Ça a été très vite mais vous allez voir, ça va être canon. Je vais venir faire mes lèvres, donc je prends le Peggy Sage crayon lèvres waterproof en teinte brun. Et je viens combler mes lèvres. Donc j'ai fait le tour de mes lèvres et j'ai rempli mes lèvres avec le crayon Peggy Sage. Et je viens prendre le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty en teinte Fenty Glow, je ne sais pas. Il n'y a pas la teinte, c'est celui-ci. Oui, bien voilà, ce tuto est terminé. Si j'ai une chose à vous dire, c'est faites les deux yeux en même temps. Cet œil là est plus caca que celui-là. Pourquoi? Parce que si vous revenez en arrière, j'ai commencé par le fard Macam avec le pinceau S7B. Et après, j'utilise le Truffle Addict avec le même pinceau. Quand tu fais un œil après l'autre et que tu mets une teinte plus foncée sur ton pinceau, et ben après tu galères pour mettre la teinte la plus claire. Donc j'ai trop galéré pour cet œil là, du coup concentrez-vous plutôt sur cet œil là qui est quand même mieux fait, mieux réalisé. J'ai quelque chose à vous dire quand même sur la petite palette, c'est qu'elle est très poudreuse. Donc faites attention, regardez l'état de ma palette. Le Macam il se transfère parfaitement, le fake au doigt c'est parfait, au pinceau j'ai galéré pour cet œil là, sur cet œil là j'ai retesté au pinceau, ça a marché. Donc je sais pas, je pense que je m'y suis peut-être mal prise la première fois. Par contre le Truffle Addict, c'est une très jolie couleur mais elle est très poudreuse et il faut vraiment replonger plusieurs fois son pinceau dedans.
C'est un peu dommage, mais une fois que vous le savez, c'est pas grave, il suffit de le savoir tout simplement. J'espère que ce maquillage vous plaît, je le trouve magnifique. Avec cet œil là un petit peu mieux fait, ce serait mieux. Si vous aussi vous aimez ce tuto, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, à m'écrire plein de commentaires juste en dessous, à vous abonner sur ma petite tête fait juste ici ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain tuto. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.